À l'occasion de la diffusion de la nouvelle saison de Tropique Criminel, Sonia Roland s'est confiée, notamment, sur son bonheur amoureux retrouvé. Mais qui est celui qui fait battre son cœur? Chaque vendredi soir, Sonia Roland enchante les téléspectateurs de France 2 aux côtés de Béatrice de la Boulaye dans Tropique Criminel, où le duo de choc résout des enquêtes. Et le moins que l'on puisse dire en lisant les interviews qu'elle a données ça et là dans la presse, si est-il que son bonheur est total. Professionnellement donc, avec cette série à succès ou encore la diffusion prochaine de son téléfilm, et personnellement également, puisque l'ex-Miss France est à nouveau une femme amoureuse. Mais qui est ce mystérieux homme? Sonia Roland en couple, qui est son nouveau compagnon? Je vis une histoire magnifique, lançait Sonia Roland il y a un an dans les colonnes de Télé Loisirs. Folle amoureuse, cette dernière jusqu'alors plutôt discrète sur sa vie privée en profitait pour faire une belle déclaration à celui qui fait battre son cœur. Une nouvelle fois. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai retrouvé un amour de jeunesse d'il y a 18 ans. Franchement, je le souhaite à tout le monde, tellement c'est beau et fort. C'était une évidence depuis plusieurs années, nos amis nous ont dit, enfin, vous êtes ensemble. On se soutient mutuellement et on se comprend complètement, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Et son compagnon actuel n'évolue pas dans le show business, puisqu'il travaille dans la publicité. Mais de lui, on ne sait que peu de choses, si ce n'est qu'il a 42 ans, qu'il a les cheveux poivre et sel, et est directeur artistique. Voilà peut-être la clé de leur belle histoire d'amour, si mes histoires personnelles passées m'ont fait souffrir, c'est parce qu'elles étaient publiques, confiait d'ailleurs récemment Sonia Roland à nos confrères de Télémagazine. Il y a peu encore, les gens me renvoyaient à notre rupture, avec Jalil Lesper, note de la rédaction. Mais aujourd'hui tout va bien. Sonia Roland heureuse pour Jalil Lesper, son ex-compagnon et père de sa fille Kaina, qui a retrouvé l'amour si esti en 2009 que Sonia Roland et Jalil Lesper se sont rencontrés. Ensemble, ils ont eu une petite Kaina, née le 6 novembre 2010, la deuxième fille de l'actrice. Mais en octobre 2018, on apprenait la séparation du couple. Ce qui ne les empêche pas d'avoir de bonnes relations. On s'entend très bien pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui s'il est heureux, confiait l'actrice à propos de son ex-compagnon, aujourd'hui en couple avec Laetitia Hallyday, en 2020, au micro de RFM dans l'émission Une Heure Avec, animée par Bernard Montiel. Par la suite, interrogée par Gala, cette dernière avait raconté la rencontre entre leur fille et la nouvelle amoureuse de son père. Jalil Lesper l'a présenté très rapidement, avait indiqué Sonia Roland. Même s'il lui faut un temps d'adaptation, comme tous les enfants de son âge, Kaina est une petite fille intelligente et ouverte. J'ai pris soin depuis la naissance de mes filles qu'elles n'aient pas de vie publique, car elles ne l'ont pas choisie. Nous avons un quotidien tout ce qu'il y a de plus normal. La famille recomposée, c'est toujours un challenge. Mais je fais confiance à Jalil Lesper pour maintenir le lien privilégié qu'il a avec sa fille. En tant qu'acteur et réalisateur, il connaît les impératifs de nos métiers. Sonia Roland, qui était-ce, sa fille aînée, qu'elle a eue avec Christophe Rocancourt? Avant de rencontrer Jalil Lesper, Sonia Roland a été en couple avec Christophe Rocancourt, surnommé l'escroc des stars dans son autobiographie, dès 2006.
Ensemble, le couple a eu une fille, Tess, née le 13 janvier 2007. L'interprète de Mélissa Sainte-Rose lui a fait, à l'occasion de ses 15 ans, une belle déclaration. Elle grandit, elle s'affirme dans son univers, et comme un chat elle va et vient en cultivant son mystère, écrivait-elle sur les réseaux sociaux. Sa beauté m'impressionne, son intelligence me laisse parfois sans voix. Alors oui, l'adolescence est bien là, et sur ce chemin épineux, comme toujours, je ne te lâcherai pas la main, ma fille. Joyeux anniversaire mon amour, à lire aussi Sonia Roland, Tropique Criminelle, partage une rare photo d'elle avec ses deux filles, photo.